Bonjour les fines bouches. Dans la vidéo du jour, on va fabriquer une terrine de poisson avec un S. C'est-à-dire que je vais le faire avec deux poissons. Poisson blanc et du saumon. On va mettre au milieu une petite couche de verdure. Et normalement, la découpe, ça devrait faire un truc assez sympa et au goût assez parfumé. Puisqu'on va pouvoir différencier les assaisonnements du poisson blanc et du saumon. De quoi donc avons-nous besoin pour réaliser cette terrine? Comme je viens de vous le dire, du saumon et un poisson blanc. En général, le cabillaud, c'est bien parce qu'il tient bien à la cuisson. Là, j'ai pris du merlan, puisqu'on est aussi un peu dépendant des pêcheurs et de la pêche. Il faut également 250 g, 25 centilitres de crème fraîche, 4 œufs, du persil, des câpres, piment d'Espelette pour aller avec le poisson blanc, aneth, là en l'occurrence en poudre. Moi je préfère mettre de l'herbe en poudre lorsqu'il y a une cuisson plutôt que de mettre de l'herbe fraîche qui n'apporte pas plus de goût mais qui apporte de l'humidité et ça tient moins bien. Alors que l'aneth va se réhydrater grâce au poisson. Ensuite, on a besoin de quoi? Eh bien on a besoin de commencer la recette. Évidemment, il nous faut un moule à terrine. Comment on fait? Et bien pour commencer, on va prendre le poisson et on va lever donc les filets. Grâce au couteau qui s'appelle Gilbert. Un filet de sole. Bravo. Sans anti-sèche. Voilà, la peau, ben on réserve, mais on n'a pas beaucoup d'utilité. Ça, on va faire des petits morceaux, comme ça. On met de côté le poisson blanc, on le prend, pareil. Là, c'est déjà levé, donc on va découper des morceaux. On va prendre notre mixeur. On va commencer par le poisson blanc. Pourquoi? Parce que comme on ne va pas forcément le nettoyer, c'est le même produit, on va mettre le blanc nature, puis le rose, s'il y a un peu de blanc, ça se verra moins. Enfin, le orange. On met ça dedans. Alors on va le mixer, mais vraiment, on va essayer de garder un peu de quelques morceaux, vous voyez. On va garder quelques morceaux pour qu'il y ait un petit peu de on a l'impression qu'il y ait de la mâche, vous voyez ce que je veux dire. Faut pas que ce soit trop haché. De toute façon, ça va cuire, hein, donc ça, on réserve dans un plat. On refait la même opération avec le saumon. C'est grand spectacle quand même. Un autre plat. Hops. Et là, on réserve. Ensuite, on va prendre notre persil. On va enlever les tiges là. On va garder que les têtes. Et vous ? On va le mettre dedans. C'est toujours pareil, hein, on n'a pas forcément besoin de nettoyer puisque tout va finir dans la même terrine. Hein. Donc on met le persil, on met les câpres.
Et on va y mettre l'ail aussi, qu'on va couper déjà un peu succinctement. Et ça, on va le mixer par contre aussi fin qu'on peut. Voilà. Ça, hop. On met ça dans un plat ici. Et on débarrasse. On a donc nos trois couches, nos trois strates pour la terrine. On prend un cul de poule, dedans la crème, on va aussi faire deux choses au préalable, c'est allumer le four à 160 avec un bain-marie, puisque ça se cuit au bain-marie. Ensuite, on prend le piment, celui que vous voulez. Moi, j'adore le piment d'Espelette, donc on y va. Hein. Un petit peu de sel. Et un petit peu de poivre. Ça, c'est pour le poisson blanc. Pour le saumon, aneth, ça marche toujours, hein. Mais vous pouvez parfumer différemment, hein. Sel, poivre, là maintenant on casse les œufs dans la crème fraîche. On prend ça avec le fouet, on casse un peu les blancs et on remue. Voilà, et il faut que les blancs soient bien cassés. Hein. Voilà. On prend un petit peu de cet appareil qu'on va mettre là. Voilà, pour bien lier tout ça. Il faut que ça devienne un peu pâteux pour l'étaler après. Et puis ça va le lier. Et ensuite on met moitié-moitié. Le moule, évidemment, un petit peu. Et on y va, on verse la première couche avec le poisson blanc. Là, après, on met notre couche de verre, comme disait Patrick. On essaye de bien la répartir partout. Et on finit par la couche de saumon. Là, on y va, on enfourne
pour 50 minutes. N'oubliez pas le bain-marie. À tout à l'heure. 50 minutes de cuisson. Je viens de piquer dans la terrine avec ça. Et vous voyez, c'est revenu immaculé. Immaculé veut dire cuit. Donc, je sors la terrine. Je fais attention à ne pas me brûler parce que le bain-marie, c'est de l'eau. Et l'eau, en plus de mouiller, quand elle est chaude, elle brûle. Et je l'amène ici. Économie, on coupe. Là, elle est comme ça. Par contre, pour la démouler maintenant, ça va être compliqué, puisqu'il faut attendre un petit peu qu'elle se raffermisse. Donc, il faut la faire tiède. Et si possible, il faut lui laisser un temps de repos pour vraiment pouvoir la déguster, pour toutes les saveurs en rafraîchissant se mélangent et participent. Moi, je conseille toujours 12 heures, 24 heures au frigo. D'accord ? Donc, on se revoit tout à l'heure pour une présentation d'une terrine terminée. Alors, les fines bouches, en réalité, j'avais préparé une terrine par avance pour gagner du temps dans la vidéo. Donc, j'ai coupé deux tranches de la terrine que j'avais préparée avant, qu'on a déjà commencé à... Je ne peux pas vous la montrer entière. Avec Gilbert, c'est difficile de garder de la nourriture, vous savez. Et donc, du coup, ben voilà comment j'ai fait. Alors, à côté, ce que je me suis permis de faire, c'est une petite mousseline, mi-mousseline, mi-sauce cocktail. C'est-à-dire que j'ai fait une mayonnaise, monter un petit peu de blanc, le mettre dedans, un petit peu de sauce rouge américaine, et un petit doigt d'Armagnac. C'est une tuerie. Voilà les fines bouches, terrine de poisson avec un S, puisqu'il y a deux poissons. Essayez, testez, vous avez le droit de prendre d'autres poissons. Dans ce cas-là, vous me le dites, ce que vous avez fait avec quel poisson, si ça vous a plu, vous transmettez, on va essayer. Moi, je suis prêt à suivre vos conseils. En attendant, suivez le mien. Portez-vous bien, cuisinez, aimez cuisiner. Et cuisiner, c'est aussi aimer recevoir. Alors, moi je dis à vos cannes à pêche, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?